comme échauffement général. Vous connaissez, on est dans la zone, c'est simple, quand on a la balle en main, on ne peut pas bouger avec. La seule protection qu'on a, c'est capter la balle. Une fois qu'on est dehors, le but du jeu, c'est d'aller chercher des balles qui traînent et de toucher quelqu'un à l'intérieur pour prendre sa place. Prêt? Prêt? Stop. Okay. Donc ceux qui sont touchés sont dehors. Et quand on est dehors, on peut courir comme on veut pour les balles, mais c'est une fois qu'on est à l'intérieur. Et tu peux pas sortir. Il y a une balle là. On a fait des déplacements pour choper un petit peu, garder la distance vers la pente. Très bien, maintenant on va travailler un peu plus en tactique. Où il y en a un côté qui va devoir mettre de la pression, un côté qui va devoir résister. Alors, comment on met la pression sur quelqu'un? Comment on fait? Tu peux faire des trucs de fer, oui. Donc, si je suis en face de l'ESF, je peux faire des trucs de fer. Comment je pourrais dire la pression autrement? Avec les jambes, voilà, ici. Et aussi, avec toi. Non, mais ça dépend, je fais des mouvements. Des mains, oui, donc avec la pointe. Donc je peux faire avec la pointe, avec le fer, avec mes jambes, avec quoi d'autre? Avec le mental. Ah non, mais bien sûr, très bien. Avec le regard. Avec le mental, c'est bien sûr. Si on veut mettre de la pression et qu'on n'ose pas vraiment y aller, bah, c'est pas vraiment mettre de la pression. Allez, on essaye. Ok, allez, on va quand vous voulez, c'est bien. C'est ça, c'est ça. Petit, petit. On se laisse et puis on relâche. C'est bien. Allez, on fait la phrase, pas mieux avec les 21, ok? Alors, écoutez. Donc, tout à l'heure, on était sur presser, relâcher, d'accord? Et les autres résister, bah, même but du jeu. En 5 touches, et puis on échange les rôles. Allez, allez, c'est parti, Jacques. Autant de charge. Allez, par contre, ça va être petit, tout ça. Et ta pointe. C'est toi. Et l'autre.